Bienvenue Banambuka Lulu Toza na magazine Masolo. C'est normal dès que na 21e siècle en plein capital va continuer aux Angamai. Tant que Congolais la ligne que peuple a se retrouvé na onye toza ça. Devant un intérêt majeur retouché, on doit faire taire nos intelligences. Sauvons d'abord les Congos. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine, Magazine Masolo, une émission politico-sociale, une émission qui fait la valeur des idées. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Chris Mukendi, communicateur de AFDCA du président sénateur Bati Lukou. Monsieur Chris, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé, Nayo, santé, paix à AFDC, Mobimba. Santé, Zali Malamou, Nzambazo Batela, Nangolo Nae. Santé paix à AFDC, na ya mwana mboka président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo ezali pe malamu. Donc toza très engagé na etumba ya politique à lelo pour na ko meka ko assurer un meilleur bien-être na population congolaise. Mwana mboka Chris Mukendi, quelle lecture faites-vous sur l'actualité politique de l'heure? Actualité politique qui a mboka na biso mikolo eza beaucoup plus to biso soto ebi ezali dominé na insécurité o ezali na est ya mboka na biso. Je pense que lecture ya o ezali koleka ko landamana lolenge ya ba déclaration o bayi politique basalaki notamment président de l'Assemblée nationale Mboso et puis appel ya la sincérité au Modeste Bahati à lancer qui na communauté à Bandeko bazana nord na sud Kivu. Je crois que oza koleka na kati ya mboka en termes ya ba massacre ya ba compatriotes na biso o ya est ezali situation ezali ko interpeller congolais nyoso en tant que citoyen mais congolais pe nyoso en tant que acteur politique na ko s'engager activement pour na ko silisa maiza ko sala makati ya est ou ezali ko longola lokumu ya mboka na biso ezali ko longola biso dignité ezali ko longola dignité humaine ko longola pe to désacraliser na kati ya mboka na biso ou ezali vie humaine hein. Donc soko moni ba image otam na ba réseaux sociaux ezali pas si mingi appel ezali ki ba kondi ya mboka il faut basala nyoso to ebi que sujet où il y a est, c'est un sujet moko complexe. C'est un sujet moko, ça va s'arrêter mon souper à continuer tout passer. Parce que n'engue président Mboso Lobaki, bahi Congo bango mo peut être impliqué dans quatre dossiers oyo. Donc au moins ceux qui ça bosse, bateau bazo bundisabino, bazo bateau libanda, c'est un tant mon souper était négocié c'est le Kamboyango. Mais ceux qui bana Mboka bango mo bako tina quatre tumba yango pour négocier la mabé dans quatre Mboka. Et comme il Kambo moko, ils ont senga que bisounyo sur bas congolais. To la mouka pour que to dénoncer d'abord bato wana et puis justice en mboka na biso et ça la mosala na yango na lolenge et longobani de manière générale je pense que mokondi mboka libanda ya makambo etali sécurité azali ko bunda pona ko améliorer conditions ya peuple congolais oyebi ka otaki na libala o ezalaki ko tchaye na mikakatano mwa mingi ezalaki libala wa mindondo. Peuple congolais nyonso aza sengaki na mokonzi ya mboka aboma libala wana pour que akwa ko travailler na ba congolais oyo baza komona lolenge moko na ye ko travailler na ba congolais oyo baza na kati ya vision na ye ko travailler na ba congolais oyo bako sunga ye pona komema ba réforme oyo alingi ko sana kati ya mboka. Donc je pense que volonté na ye ezali matérialiser à travers création et union sacrée où ils allient alternative na libala ya kala ya FCC na cash et to bandi que libala yango ya sika ezali libala oyo ekomema esengo na kati ya mboka ezali libala oyo ekomema elikia mosusu na kati ya mboka na biso mwana mboka Chris Mukendi kolanda yo boye na bozaki bino nyonso na 2018 na plateforme électorale ya FCC bino na professeur ou azale le président ya Sénat bozaki na FCC pan boyokanité binobo s'est retiré les lots au monde abino na kati ya union sacrée. Qu'est-ce qui vous a poussé ou quelles sont les vraies raisons et adhésion à bino na union sacrée?
Oebi na banzi ke bandeko mingende ya FCC ba comprena kite notion ya majorité parlementaire na kati Assemblée nationale. Tango bokoti na kati ya majorité parlementaire na kati Assemblée nationale eza rapona ko soutenir vision ya mokonzi ya mboka. Eza rapona ko tchela eba ba baton na kati ya ba pneu na ete. Eza rapona ko tchela eba mitambote. Eza ka soki mokonzi ya sikaye e ke bino bondimi boza na kati ya majorité parlementaire. Majorité wana mosala ngo ezaka nini ko accompagner mokonzi ya mboka. Banda mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azaki élu président de la République biso AFDC to intérioriser qui au babengi majorité parlementaire, idéologie à majorité parlementaire yako accompagner mokonzi ya mboka na manda na ye. Mais bon monaki que bande ko belé FCC bazaki ko comprendre te. Hein, mokonzi ya mboka zaki asika mais bango bazaki mingi mingi bazaki ko continuer ko sala allégeance na mokonzi ya kala o azaso président mboka te yango selayi ke mikakatano ezala makasi mais banda mokonzi ya mboka azaki élu biso AFDC ata mokolo moko te totiela ko tika e to banda ko accompagner bisika nyoso tango akendaki na Paris tozaki na e tango azaki na Londres tozaki na e tango azaki na Belgique na États-Unis okomona so moni ba image okomona ba drapeau ya AFDC ezali toujours ko accompagner mokonzi ya mboka donc je pense que Union Sacrée ezaki alternative au ye mokonzi ya mboka trouvaki na libala o esimba kité mais biso en tant que parti politique ou ezako appartenir na kati ya majorité parlementaire, il était tout à fait normal pour Nabiso to continuer ko accompagner mokonzi ya mboka ti na suka ya mandat na ye. Mwana moka Chris olobi pour la vision ya moi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que les lobes congolais ba koyé ba vision ezalaka nini oyobi bino bosadera na Union Sacrée vision vraiment le loba congolais na balani na biso ya magazine masolo ba koyé ba vision ya chef de l'État zanini o bino bosadera. Ce qui il faut tout résumer vision mokonzi mboka na mokuse ezali état de droit. Ezali état de droit et mboka o ezali kotia mibeko au centre réaction nango. Mboka o ezali kotia justice au centre réaction nango. Oyebi que pouvoir et otiko leka monsieur Kabila ezali caractérisé na impunité makasi. Motoyiba bakanga ete, moto boma bakanga ete, moto sala ba massacre bakanga ete. Donc ezala ki caractérisé na impunité moko flagrante. Yango tango président Félix Tshisekedi ayé na état de droit. Alobi état de droit ezali mboka oyotambola na mibeko. Oyo justice ezana esika na yango. Alobaki, hein, nous pensons que mboka moko te ezaka élevé soki justice. Exactement, Ratia Mboka. Donc, bah recette autre que ça, la Ratia Mboka, pour la cause de budget, n'a pas besoin de liboso. Ce qui justice les alités, n'a pas dit que tu as ça, la mosala, tes visions, que ça, y a que ça, la banzela, que ça, la hôpitaux, que sunga, bah étudiants, que sunga gratuité enseignement. Mais ce qui n'a niveau, y a bah entreprise. Nabiso oyo salaka e générer ba recette oyo salaka budget nabiso e vimba pour que programme makota mboka ezala appliquer ce que justice ezalité ko sala mosala pour na ko landa oyo ezali ko sala makokanga ba bazako détourner mboka mbongo ya l'état. Je pense que ezali passe pour que biso to ko développer donc développement mokote na mboka e sala maka sans justice to bandi que vision ezali o ezali ko ezali ko synthétiser na owana état de droit yango biso to adiraki na état de droit wana. Merci mon amboka Chris Mukendi. Ça fait près de 2 mois depuis tu banoma le nouveau premier ministre Sam Alukonde. Pourquoi ces retards? Est-ce qu'il y a blocage ou bien bozo kanati na partage à gâteau? Yo en tant que communicateur FDC okolobani pona retard yo en entretemps la population souffre yo ebi makamba réalité to zala ma ezate courant zate retard yo ezat dû à quoi? Na bandi que moi na Congo nyoso ebi réalité politique à Congo akoka mwate o ebi classe politique na biso ya Congo akoka mwate se to sali 2 mois pour na ko zela sortie à gouvernement ezo kamwisa bato bazana posa ko kamwa. Mais bato baby Congo baby ba acteur politique à Congo baby classe politique à Congo ba ko kamwate na boyi awato zo na plateau o ka ya jurisprudence lokola ya gouvernement ya sam yanani yandeko ilon kamba
tout comme jurisprudence. Mais au début, pendant que le gouvernement il y a Elon Kamba, il y a 7 mois à Mboka. Mokondia Mboka a prêté serment le 24 janvier 2019. Le gouvernement Elon Kamba a publié le 26 août 2019. Donc, il y a 7 mois. La tractation politique, il y a un bon ami Balé, FCC Nakash, il y a un bon. Donc, les lots que la plateforme a mis en place, ils sont tellement mastodontes. Ils sont monnaie makasi. Ils sont bandeko ya lamuka na kati. Bandeko ya FCC. Bandeko bazabutaki na cash. Bandeko ya AFDC na kati. Il faut que luka ko arrondir ba angle nyo sa batowana pona ko pesa na mboka gouvernement ya lombango te. Gouvernement oye ko correspondre na ba défi otoza nango lelo na kati ya mboka. Donc na bandi que na mikolozali ko ya, je pense que Mikoza sou mingite toye ba gouvernement o yabiso eza composé na banani o bazali sélectionné pona ko sunga Congo e kende liboso. Donc ba tractation politique ezala kanango nengezo sala mawana toza mboka moko toye ko se comparer na mboka musute na nenge yabiso ko zalela ozomona ezala ba ambition ba to fo ko gérer ezala ba frustration musu fo ko gérer mais suka suka gouvernement ko bima pour nous résoudre le problème de nous autres dans la mboka. Moi, je suis Chris. Si vous avez dit que le discours du président a 6 minutes, il y a un salaire qui appelle, il y a un sens à patriotisme. Vous avez dit que l'Union sacrée pour la vision. La population de la Congolais pour sortir du gouvernement, il y a un problème. Mais apparemment, tout le monde dirait qu'il est communé le Kamba poste. Parce que ceux qui ont dit pour la vision, nous, le Biwana, pour la aider justice mboke tombola et tombama tout cela problème il y a gouvernement ngoza problème té apparemment mutunion soyaki souhaite comprendre si ko na union sacrée ezaki pona a se retrouver na poste yo monya bon lecture na autant mosu soupe bande ko mosu bazomona ngoza lo lengue wana mais il faut eba que politique basala yango ya solo pona population basala yango pona luka bolamu ya peuple. Mais politique, ils ont aussi la même peine à partir politique. Ils ont aussi la même angombe politique. Ils ont la même ambition nango. Ils ont la même projet nango. Na bandi que moto mon côté, à ça la politique de manière gratuite. Tant que bandeko bandimi base à la séduit par le président Félix Antoine Tshisekedi, je pense que au-delà, il y a des gens avant on a vision à eux. Base à la politicien. C'est ça la vérité, bah ça va politicien. Politicien, ça rappelle dans ma calcul, n'est politique. Non, il y a qu'à payer pour na poste. Et priorité, en voilà. Parce que ceux qui osent poste étaient priorité, priorité, ça dit qu'on sert la peuple. Mais bah ça la peuple tant aux alliés na ici-là ou bah ça la peuple. Aux hommes là. Donc il faut tout le monde en raison normal. Na politique, les alliés normal. Politique, les alaka tant que montant ça la partie politique, à ça la on peut accéder na pouvoir. Aux hommes là. Accéder à pouvoir pour à concrétiser vision où ils allaient couler en forme de projet de société et de parti politique. Donc, moto la moto tant qu'on a un côté politique, on a accéder à pouvoir, qu'on conserver pouvoir, puis qu'on a un pouvoir. Donc, ils allaient en la vérité. Au peuple, il faut pas aller. Donc, ils ont ça la malélo. Tout comprendre que c'est normal parce que ça va politicien et baso sangana. Est-ce que va politicien baso sangana, ba ambition ça rebeller, il faut gérer, il y a moto na moto, mais finalité ba ambition yo sonne za la kapona bolamu ya peuple. Félix Tshisekedi aza le loko coaliser na bato bazaki na été lobby, ba ko yaka té parce que président Félix Tshisekedi moté ma malamu té tant bazo ya pe bazo poser pe tant sous ba condition o ya bango. Babi OK, biso toyé to travailler na yo, mais par na biso na kati ya makambo ezali nini. C'est ça la vérité aussi. Donc, et c'est ça la politique. Na bandi que et si kato komi lelo ezali et si ka ya bazali pina ko atterrir hein et na bandi que autres ezali ko za biso ni so gouvernement ya pona peuple congolais et ko za susu ko mela mingi te mon mboka parmi makambo ba ki ya ba réduction des trains de vie ya ba politicien makambo belé taille ya gouvernement. Il y a Sam Lukonde, les Andini. Est-ce que ça, quand ils allent à Kapo, il faut pas réduire taille. Est-ce que maintenant tout le monde est la coco sous apparemment, ils allent aller balouber la quitter. Na bandi que tant que Mokondi Mboka a initié qui la consultation nationale,
Ba Congolais et Belé Oya Mbaki ba insista qui na taille gouvernement na biso. Oui, gouvernement tozana ngol lelo zana 66 ministres. Ba tonyo so balobaki kezali budgetivore mongo nyoso ya l'état ezo kenera na kata gouvernement peuple azako se retrouver te. Il fallait qu'il ko réduire te à gouvernement. Ba tonyo so balobaki yango. Et na bandi que tango informateur asaki mosala na ye. Oya zongisa ki pe et pa ya Premier ministre, na bandi ke na makamoni so basala ki wana ba réduza ki pe taille ya gouvernement effectivement. Na bandi ke longwa ki de 66, je pense à 44 ou 45 ministres. Mais lelo to ebite so ki mosala o informateur asala ki wana ezali kaka lolengo wana. Ozomona. Donc pour na biso to bandi ke ezala ki vraiment important ko réduire taille ya gouvernement parce que mbongo nyoso l'état et que il y a maka té na ba ministère na ba institution o ezali politique to bandi que mbongo mosusu o ezali canaliser na ba recette na biso ya mboka na ba service ya assiette il faut ezala canaliser vers le développement mboka donc o ezo sala malelo na kati ya o etali ba réglage na configuration à gouvernement Naza vraiment la quantité pour aller bas taille nango mais tu ébique biso nyoso pour ça na biso zaki que taïwana ekita parce que mon kondia mboka ye mboka estima ki que ezaki ko lia mbongo ebele ya république pendant ces temps mon mboka crise ma grève partout la budget la finance na ici et cetera population zo souffrir pendant ces temps biso do luka ba solution ba policier ba zo luka taille gouvernement. Que pensez-vous de la grève Nimbo comme Tambola? Pendant ce temps, la grève, ils à répétition, le magistrat, le médecin, le banin. Que pensez-vous de ça? Na bandi que ezali ba frustration sociale. Hein, il y a na kati ya mboka ba grève ça la salamika na Kongote. Ba grève ça la marapeti na ba mboka o ezali développé. Déjà grève ezali reconnu na kati ya constitution na biso. Ozomona. Donc, ezali droit ya moto. So ki, esika zali ko sa mosala, ba, o ezali ba droit na e, ba zo pesa ya ngote, ezali normal, pona ye, nanzela mi beko epesie, ba sala ba greve, ba sala ba mouvement, ba zako sala wana. Na bandi ke, gouvernement ya solo, o yo fwe tchama na esika nan e komite, met ozali pe na gouvernement, ezali na esika, ezali gouvernement démissionnaire, o ezali ko expédie ba affaire courante, hein? Donc les autres ont été congolais ali orphelin à gouvernement té gouvernement ali moto la moto ministre sika ali na cadre ya expédition na cadre ya expédition à affaires courantes moto na moto ko kanga maboko té moto la moto tant azo yamba mokanda o ezali adressé na kati ya ministère na sectoriel pour na problème moko songolo et sengeli que ministre ou un secteur où on a trouvé la solution à Mambozo Salama. Na bandi que cause la gouvernement a bloqué tes machines à l'État, tout le monde a bambo comme sous le roi Belgique et ça la plus d'une année sans gouvernement. Je pense que cause la gouvernement y a ça malouconde quoi cause la excuse t pour que gouvernement aux alliés démissionnaires basa la mosala na bangope na sens y a quoi lukako rencontrer bah besoin aux alliés à peuple congolais. Voilà mon gars Chris. À une année et demie pour tout comme en 2023. Croyez-vous vraiment aux élections? Je crois aux élections d'abord parce que notre constitution est prévoir l'élection. Élection en 2023 ou élection chaque 5 ans, Ezali constitutionnel. Et Nabandi que Mokondia Mboka. Azali pe moto azali moto si amibeko azali reprenait état de droit et je pense que na cadre na ye ya kozala garant la constitution na ya bon fonctionnement de l'institution je pense que azali d'accord pour que élection na mboka et ça la mal le lengue constitution mboka est prévoir yango donc ngana zo croire que l'élection en 2023 kozala parce que ngonga ezali nano élection en 2023 tozana na 2021 lelo session ordinaire ya assemblée nationale na sénat ezako se tenir et to bandi que au cours ya session oyo aussi là le 15
le 15 juin, avant le 15 juin, nous avons déjà une réforme aux alliés électorales, aux alliés comme ça, que nous avons signé à Sika. Tous les lois électorales, les alliés Sika, ils vont permettre Seni Nabiso à côté de la Mossala pour nous préparer l'élection 2023. Pour ou contre pour le recensement avant 2023? Nous allons pour le recensement, les alliés Malamou, mais nous allons pour l'élection parce que l'élection est prévue dans la Constitution. Donc, Moko et Longla Mossou souté. Mais il faut que les délais soient les alliés, il y a combien de temps? Et puis, il y a mis les photos. Est-ce que tous les amis solo pour nous ça na recensement, na élection. Ceux qui sont les alités, il faut pour nous les alités prioriser dans la constitution na biso les alités élection. Donc, na bandi que nous sommes les alités importants, mais en termes de priorité, na paix sociale, en termes de luka kimia na cohérence, luka consolidation et unité dans la tamboka, il faut pour nous tous lever bas option ou malamu. Ngai na ligi recensement salama. Mais na tanni. Tanna ngona habité ba spécialiste ni ba le recensement aux tannini parce que recensement est concerné population nyoso. Élection est concerné population nyoso té. Élection est concerné ba no bazana 18 ans tilikolo. Na biso ba mikolo ozomona. Donc alors que recensement to recensé na ba no ba to bota masika na ba maternité au bazali directement concerné na mambo ya élection té. Je pense que bah décideur yamboka tant qu'on va décider bah quand la facteur mi balé yaliboso est-ce que recensement egozo ngonganini est-ce que recensement il faut que ça élection salama yamisato est-ce que tozali na misolo poto ça la recensement na élection donc ce qui gouvernement oya ndeko sama lunkonde oyozala et chamina sika bah trouver bah réponse bah trouver bah moyen pour nous tous la bureau nous sommes allés là on a bandi que ma bezalité et bon ceux qui va trouver un moyen non on a tout le monde dans la supposition il y a une question bah congolais bah mitou ceux qui va trouver un moyen je pense que constitution est claire hein mandat à président de la république est allé à 5 ans renouvelable une seule fois ceux qui ont compté bandam au colombo konzinabiso Félix Antoine Tshisekedi qui pouvoir et aussi là en 2023 donc en 2023 il faut tous avoir élection mon sousou et pour permettre président de la république ce qui va congolais to renouveler confiance na biso pa na e azon apo na mandat mi balé li kambozalité mon amour Chris parlant des élections quels sont les atouts à AFDC est-ce que na 2023 union sa kero zala kaka to na 2023 zala mwana benda na ndeba kinoma lo ba mutu na mutu ache li baya ndenge na na bandi que politique zala ka dynamique omoni union sacré et vous allez concrétiser dans le gouvernement de l'Eurobi Mayasama Lukonde. Mais durée à l'Union Sacrée, tant que vous avez un FCC na cash, vous avez un temps où vous avez un temps en 2023, n'est-ce pas? Donc, mais comme vous avez un temps, la politique, la dynamique, vous avez un temps où vous avez donc, l'Union Sacrée, et banda et bandi déjà, vous avez un temps où vous avez un 2023, et puis 2023, vous avez un temps. Ce qui est bandeko au bazali ba partenaire ya union sacrée ba bandi que il faut union sacrée et continuer ti l'école 2023 je pense que ba redésigner mokondia mboka oyo ako o azali certainement o azali en fonction lelo pour que na 2023 azala sous candidat ya union sacrée na o etali ba ambition ya biso AFDC mingi na o etali mokondia biso lingoma modeste bati à l'obaki yango na nzela ya presse que 2023 pour na batomoso babayi non bati lukwebo azlingi comme président de la république azobundisa Félix Antoine Tshisekedi pour yaza na ambition na 2023 na lingi bande konyo so baza kolanda biso bayo kango malamu lelo na 2023 président na biso Modeste Bahati azali na ba ambition ko za la président de la république té ya ko za la candidat président de la république té na 2023 Bisso et Tumbana Bisso Zali, yako accompagné président Félix Antoine Tshisekedi à accomplir second mandat naé. Parce que tout bandit que mandat naé Bisso Zali na mikakatano ebélé. Azana ba makanisia malamu pona mboka mais akutani na ba blocage ebélé notamment na o etali coronavirus. Et sali que akutani na moyen ko mobiliser ba recette pona osala mosalo akana ezalité, gratuité enseignement, c'est vrai. Mokondia Mboka, Isaac cheval de bataille naé,
mais to moni pe moi mi kakata no moke moke na kati et puis une motema ma b ya bato o balinga kite que gratuité enseignement est simba ozomona to ki ma oyebi que bato mosusu bazana kati ya boloko lelo po na bazaki ba détourner ba mbongo ezaki prévu na makambo ya gratuité enseignement donc to bandi que azala volonté belé ya kosunga mboka ya kosunga mboka ekende liboso mais azwaki pe mikakatano ebele to bandi que azako mérité parce que constitution PC Nzela au sala deuxième mandat donc agostan musuko s'est présenté na deuxième pour na deuxième mandat na e biso FDC to zape meni pona to accompagner parce que to moni azali na volonté ya kosunga mboka ekende liboso to landio na boké binyon so olobi makambo ya pandémie oyo sali pe n'impact oyo sali mo crise économique pona mikamulikanisi ya couvre-feu 21h yo okolo banin pona ngo parce que eza pe n'impact économique parce que eza activité musu sala mara au-delà ya 21h mais pourquoi 21h pourquoi le choix de 21h ya couvre-feu pendant que na moyi bato bazo circuler bazo tout à ba geste barrière eza respecté te mais 21h couvre-feu okolo banin pona. Merci pour la motuna oyo oyo nazo pe ces points de vue nangai en tant que citoyen congolais ya solo moko ya ba mesure ezalaki pour na protéger population ezalaki couvre-feu mais na bandi que ngonga penza ekoki pour na mokonzi ya mboka azwa décision pour na kolongola couvre-feu yango na ebite soki bandeko nyonso bazora libaku ya kokota ndaku avant 21h mais na bandeko o bazara libanda autant mosusu embouteillage kangi bango libanda autant mosusu ba circonstances moko donné sali que ti 21h bazara libanda bazako mona phénomène o ezali ko s'observer avec la police na ba barrière nyonso za nzela donc ba barrière la police na mona ta mutuka moko te bazo contrôler yango ba fongoli coffre po ba tala soini za na kati na mona ngote mais barrière la police ezali barrière yango zo sala nini et comme il y a le péage pour la Congo centrale au Futimbongo leki ozomona donc les lo police na biso moto nyoso akota randa ko tamu sulikola 21h ayebi yango ba kondi ba yebi yango bazako mona yango donc les lo komi copie à la police hein 21h ba police bango yambango na ba morceau na bango mabaya bakangi nzela copie bandi donc je crois que les kanisitan biso ezaki malamu na ebandeli mais ebebi suka nango ebebi. Je pense que ngonga ekoki pour que mokondi ya mboka alongola mesure au wana. Ndeko, nazomona ba bus à Transco ne zotambola na kati ya Kinshasa mikonyo soir. Ba tourner bazokanga na kati ya bus à Transco na kotambola 22h zema lamu parce que 22h tango tambola na nzela, ozata musu yomoko na balabala moto musu azate. Mais tala na moyi. Ndenge ba bus na bus à Transco za kotonda. Ba to bazoko ata opema na kati te. Bazape na ba masque te. Je pense que docteur Mouyembe je pense que service na bango ya riposte oyo bango ni basaki ba recommandation pa mokonzi ya mboka azwa mesure à couvre-feu il faut ba travailler ba sa mokonzi ya mboka que non au vu ya situation ndenge ezali kokende na mboka to bandi que ngonga ekoki mokonzi pour longola couvre-feu na bandi que mokonzi pa longola couvre-feu ye moko tala moki alongoli yango il faut azwa ba nini ba information au outil pas ba service wana ba ebici allons la yango donc aujourd'hui il est clair biso zo zo mona que couvre-feu eza susu na sens na ngote parce que ba mesure barrière tant mo susu vero zo onde malamu na journée parce que na journée to zo mona ne ba bus à transco zo tonda ne ba to zo mata mi balé mi sato na moto hein ne ba taxi na vaga liboso to ba vana mi balé na sima la taxi babaki vaga mi balé za makasi ya liboso to vana ki mi balé na sima mais oyo komi to mo vana soumi sato ozomona donc je pense que il faut ko adapter mesure wana na situation to na ngosikoyo pour que mokonza mboka leve mesure wana. Merci beaucoup mwana mboka Chris Mukendi to komi na suka ebite vezangonga un mot de la fin pour na FDC na pour na ba congolais nyoso. Je crois que mot de la fin ezali biso nyonso totia confiance na mokonzi ya mboka et puis tosala confiance na gouvernement oyo ekobima lobi oyo défi na ya liboso ezali question sécuritaire ya est ndeko tokokende liboso te na congo aussi longtemps que problème ya est ekozala résolu te
ce qui le beau qu'on a moko mosapino ils ont coupé là, je pense que nous autres on est malades. Où ils ont les cana est et qu'on a ils ont touché biso directement, ils ont touché dignité na biso, ils ont touché bolingo na biso pour na moka. Je pense que gouvernement yasama lunkonde priorité des priorités na ezali assili sa insécurité na est et moka pour na instaurer kimia. Donc pour na yango to pesa bango maboko basa la mosala. Tout ça, c'est qu'on a parlement, la bisso pour la réforme, il faut même en amoka pour que na oitali l'électoral, na organisation à Ceni, tout ça na structure est allée crédible, on va permettre bisso tout ça par élection malamo. Pour la bisso AFDC, l'Ilobasuka, tout ça là qui propose tout le bas qui Ceni, il faut est allé dépolitiser. Bah politicien à Katia Ceni base à la T, est allé à la société civile yangomoko. La vraie société civile pour que l'élection pour Nabisso et Zalaté, les politiciens, les politiciens, les politiciens, les politiciens, les politiciens, les vraiment dépolitisé pour que l'élection soit contestée, les élections soient transparentes, crédibles, et les résultats soient les résultats. Merci beaucoup, mon amour, Chris Mukendi. Je suis à Kéza, à Soukate. À chaque fois, on a la possibilité de communiquer, on a tout vraiment. Ouvert. Merci à la réalisation Michel Luzolo. Ma solution, si vous avez un peu ça pour participer à l'émission, vous avez un numéro, vous avez affiché au bas de l'écran. Merci, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Thank you.